Bonjour, je suis Covid le virus, le coronavirus. Est-ce que tu me trouves beau? Puisque c'est comme ça, je vais te faire peur. Bon, est-ce que tu sais ce qu'est un virus? Une gentille petite bête rigolote? Ou une vilaine petite bête qui rend malade? Une vilaine petite bête qui rend malade, bien sûr! Petite! Toute petite! Encore plus petite! Et encore plus petite! Comme tous les virus, je suis minuscule et personne ne peut me voir, sauf avec un très gros microscope. Et voilà, ça c'est moi, au microscope. Et oui, nous les virus, on peut être petits, mais costauds, car on peut rendre les gens malades. Voilà mes copains, ils t'ont sans doute déjà rendu malade. Salut toi, moi je suis Cacamus le virus, je fais mal au ventre et je donne la diarrhée. Bonjour, moi c'est Tutus le virus, je peux te faire tousser, ça t'est déjà arrivé? Hé, moi je suis Grippus le méchant virus, je vais te faire monter ta température sur le thermomètre. Moi je peux faire tout ça à moi tout seul. Mais surtout aux plus grands, les papas, les mamans, les papis, les mamies et surtout les grands papis et les grands mamies qui doivent bien rester chez eux pour ne pas m'attraper. C'est pour ça que tout le monde parle de moi. Covid le virus, le coronavirus, a parcouru le monde entier. Il est maintenant présent sur toute la Terre. Il a réussi à faire tout ce chemin car les gens qui l'ont attrapé l'ont donné à d'autres gens. Alors pour que les gens qui l'ont attrapé ne le donnent plus à d'autres gens, on a décidé de rester chez soi. C'est pour ça que les écoles ont fermé. Maintenant, Covid le virus s'est coincé, il peut moins se balader. Comme ça va mieux, on va pouvoir ressortir petit à petit et retourner à l'école. C'est vrai que je suis coincé maintenant. Mais je suis encore là et je peux venir chez toi. Il suffit que j'arrive jusqu'à ton visage, ton nez, ta bouche ou même tes yeux. Et pour ça, j'ai le choix. Si je suis déjà chez un de tes copains qui parle ou tousse, je peux sauter sur toi. Je peux sauter jusque-là. Je sais sauter jusqu'à 1 mètre. 1 mètre, c'est trop loin pour se toucher les mains dans la cour. 2 chaises entre toi et ton copain dans la classe. 2 pas en arrière à la queue leu-leu dans le couloir. Si tu ne fais pas attention, je peux venir chez toi, n'oublie pas. Je peux aussi monter sur tes mains si tu touches quelque chose où je suis. Puis arriver jusqu'à ta bouche, ton nez ou tes yeux si tu te touches le visage. Mais comme je vous aime bien les enfants, je vais vous dire un secret. Tu peux m'empêcher de venir chez toi en te lavant bien les mains avec beaucoup de savon et en rinçant avec beaucoup d'eau. Covid le virus, tu n'es qu'un minus. On te frotte à fond avec du savon. On te met KO avec beaucoup d'eau. On veut plus te voir, alors au revoir. Covid le virus, tu n'es qu'un minus. On est les plus forts, on te met dehors. Dans le lavabo avec beaucoup d'eau. On veut plus te voir, alors au revoir. Au secours, au secours, c'est pas gentil ça. Mais que se passe-t-il si finalement j'arrive un jour chez toi? Sans doute rien du tout, et je ne resterai pas très longtemps, car les enfants sont souvent plus forts que moi. Mais grâce à toi, je peux aller embêter ta famille. Sauf si tu tousses dans ton coude. Là, je serai coincé.
Je voudrais te parler d'une dernière chose qui m'agace. Ce sont les masques. Oh, tu as vu tous les gens qui portent des masques? Peut-être que toi aussi, tu en as un. À cause du masque, je ne peux plus rentrer par la bouche et le nez chez les gens, ni en sortir si j'y suis déjà. Je sais très bien qu'il y a plein de docteurs et de chercheurs qui cherchent des médicaments pour me bloquer. Mais pour l'instant, je suis encore là. En attendant, il n'y a qu'un super-héros qui peut me bloquer. C'est toi.